c'est pas comme un diesel, vous mettez en route, bon, vous avez plein de puissance, c'est pas vous qui l'avez fourni sur la machine à vapeur, c'est le fruit de votre travail. Chaque année, 30 000 voyageurs découvrent les paysages de la Charente-Maritime à bord de ce train à vapeur d'un autre temps qui circule quelle que soit la météo. On ressent plein de vibrations. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on le sent. Et on le sent par les fesses. La vapeur a arrêté de circuler dans les années 70. Bon, le but de l'association, c'est de faire aussi découvrir aux futures générations comment transporter les gens à l'époque. Train et Traction, une association qui tente de préserver le patrimoine ferroviaire. Il y a près de 35 ans, une poignée de passionnés se réunit pour restaurer des trains du début du siècle, rongés par les écarts de température et l'humidité. Ils ont ainsi fait revivre la ligne Saujon-La Tremblade. Et c'est Christian, 70 ans, qui a eu l'honneur d'être le conducteur du premier voyage. Ça n'était pas son métier, il était électricien. Mon grand-père était cheminot, mon père cheminot et mes enfants sont cheminots. C'est une vocation que j'ai loupée. J'aurais aimé conduire les trains et donc c'est une chose qui ne s'est pas faite. Parce que j'avais un père qui n'a pas voulu de concurrence dans la famille. Hein. Et il n'a rien fait pour que je rentre à la SNCF. Mon désir de conduire s'est réalisé quand même. Anciens cheminots ou pas, ils sont tous bénévoles et férovophiles. C'est le terme pour désigner les passionnés du monde ferroviaire. Ils consacrent tout leur temps à ces vieilles machines. Ils prennent même plaisir à la difficulté du travail, comme aujourd'hui, sous la pluie. Les cheminots, à l'époque, il y a plus d'un siècle, travaillaient exactement comme on fait aujourd'hui. Donc, par tous les temps, qu'il fasse très chaud, qu'il fasse très froid, qu'il pleuve. Et la vie était certainement plus dure. Ils n'avaient pas les mêmes moyens que maintenant. Ils n'avaient pas le choix, et puis ben, nous non plus, d'ailleurs. Donc, tous les matins, c'est 4 heures de préparation, de graissage, d'allumage, avant que la machine soit prête pour partir. En ce moment, toute l'équipe restaure des wagons américains de 1918 dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale. Une commémoration qu'ils organisent à partir de mercredi prochain et jusqu'au 8 juillet. En 1918, les Américains sont arrivés à La Rochelle pour construire un total de 32 000 wagons. Et sur les 32 000 wagons qui ont été construits, on en a identifié environ 53. L'objectif, c'est donc sur la ligne de Saujon à La Tremblade, de faire rouler une rame de wagon en présence d'un public nombreux, on espère bien, et aussi devant le corps diplomatique américain. Le but, c'est de bluffer les Américains. Ces wagons servaient pour le ravitaillement et le transport des troupes. Aujourd'hui, Alain est chargé de reproduire à l'identique les inscriptions peintes sur les engins d'époque. Et il nous fait une confidence. La nuit dernière, cette mission lui a donné quelques insomnies. Quand on est passionné par les choses et qu'on veut bien les faire, la nuit précédente, on dort mal parce qu'on se demande si on va bien faire les choses ou pas. La peinture et la pluie, c'est pas compatible, et que le wagon était dehors. Je me disais, mais demain, comment je vais faire? Donc il faut tamponner. Alors les Américains, ils allaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que nous. Puisque les Américains arrivaient à produire 100 wagons par jour et que nous, il nous faut plusieurs mois pour en produire 5. Quand l'association les a récupérés, ces trains étaient dans un sale état. Laissés aux quatre vents, les bois avaient cassé et les vis en acier avaient souffert de l'humidité. Alors c'était un petit peu un tas de rouille. Elles sont traitées, en plus elles ont été peintes parce qu'à l'époque, les Américains n'avaient pas 36 choix de couleurs. C'était que gris. Alors, c'est vrai que c'est des supports qui sont très enrichissants parce que c'est des supports qui vont rester dans le temps, on espère, qui font partie de l'histoire, de la reconstruction de l'Europe et du partenariat avec l'Amérique. Quoi. Ces wagons américains ont une histoire qui résonne plus fort encore pour certains, comme Dominique. Son grand-père, mécanicien ferroviaire, a travaillé sur ces engins. Et c'est pour ça que notre bénévole, ancien conducteur de TGV, a toujours été passionné par les trains à vapeur. C'est par respect pour mon grand-père. Je pense que mon grand-père, dans sa tombe, il doit être content de voir que je fais la même chose que ce qu'il faisait. Voilà, c'est plus émotionnel. Mon surnom, c'est TGV. J'ai pris ma retraite le 24 février 1999. Mon train était prévu arriver à 17h38. Quand je me suis arrêté, tac, pile. C'est beau de finir comme ça. Ils sont presque tous à la retraite et au lieu de prendre le train en marche, ils ont préféré se tourner vers le passé. Toi, t'en bois pas trop parce qu'après, ça va t'énerver. Et puis, j'aime pas quand t'es dans la cabine et que t'es énervé. Je t'en mets une petite goutte. Juste une petite goutte. Oui, merci.
Ils nous attendent à partir du 4 juillet pour célébrer leurs efforts et l'histoire entre Saujon et la Tremblade. Il fallait voir la tête à l'époque d'un mécanicien vapeur qui arrivait à l'heure, qui avait un sourire de satisfaction, on les sentait heureux. Fatigués mais heureux. Le chauffeur, sur 300 km, en 3 heures, il en fournait 5 tonnes de charbon, minimum. Donc c'était physique. Même nous, quand on a fait nos 20 km, on est heureux quand on arrive. Voilà, on a le sourire.